Et si c'était eux qui l'avaient emporté à 9 voix près, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient fait tambour renversé cette fois sur les Champs-Élysées. Donc pour eux, c'est bon. Mais pour nous, la vérité, c'est pas bon. La vérité dite au travers des urnes. Et puis je leur dis autre chose. J'étais ce matin avec monsieur le maire de l'étang Salé. Et j'ai dit à ce jeune, à Mathieu Waraud, j'ai dit, jeune, est-ce que tu sais que tu as été élu avec une voix, tu as perdu, pardon, il a perdu, lui, hein, une voix au premier tour des élections municipales de 2001. Une voix sur 11 000 inscrits. D'accord? Là, c'est 9 voix sur 577 inscrits. Et monsieur le maire de l'étang Salé, tout perdant qu'il était, il est rentré chez lui, il a porté une contestation auprès du tribunal administratif et les institutions de la République jusqu'au Conseil d'État lui ont donné raison. On a revoté un an après, sans qu'il mette les poubelles en feu, sans qu'il renverse les voitures, les étangs salés 1 ont été merveilleux et responsables français. Voilà, Jean-Luc Mélenchon devrait s'en inspirer.